Bonjour, filigrane. Je m'appelle Tatiana Doronet et j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai absolument adoré qui s'appelle L'enfant de Calabre de Catherine Locandreau. C'est une histoire construite autour d'un secret de famille très émouvant. Ça commence par une jeune femme qui un jour tombe sur une photo de son père qui n'est plus là. Avec une inconnue, elle va être intriguée, elle va essayer de comprendre qui était cette inconnue. Donc elle va remonter une piste paternelle. Il y a plusieurs voix dans ce livre. Il y a la voix de Frédéric, cette jeune femme. Il y a la voix de la narratrice qui est à la première personne. Et puis il y a des flashbacks sur la vie du père de Frédéric, Vittorio, un ancien combattant d'Indochine. Donc c'est un livre qui s'imbrique un peu comme un puzzle autour de ce secret de famille qu'on ne découvre qu'à la fin. C'est un livre qui m'a beaucoup plu parce qu'il est d'abord remarquablement écrit, mais ensuite ces trois trames tressent d'une façon à la fois très élégante et très émouvante ce secret qu'on ne devine absolument pas. Donc c'est un livre à dévorer, c'est un livre à découvrir si vous ne connaissez pas Catherine Locandreau qui en plus habite à Bruxelles. Donc je vous le conseille vivement, je l'ai lu avec un immense plaisir et d'ailleurs je pense que je le relirai à un moment de ma vie parce qu'il m'a beaucoup marqué, il reste encore avec moi alors que je l'ai lu, vous voyez, il y a maintenant peut-être 4-5 mois. C'est un livre qui reste encore avec moi. Donc voilà, L'enfant de Calabre, Catherine Locandreau, une excellente maison d'édition, les éditions Héloïse d'Ormesson, que je connais assez bien, comme vous l'imaginez.